Okay. First of all, my name is Pascal Schabers. I am a crime analyst from the Belgian police, and I work for the Department of Serious and Organized Crime. So, to all people over there, welcome. So, cause to COVID, I'm stuck at home, so I will do my presentation from here. The next slide, I don't know if I can click on it. No. Okay. So, cybercrime, it's the reality of the modern world. With everyone heavily reliant on the internet for anything and everything, cybercrime and especially website hacking is an ever-growing issue. I think that's very clear today. So we have to face the reality. Next slide. We ask a few questions. So what does it mean? Is it a real threat? And are there different types? Yes, you can go along. You can go along. The next slide, please. So basically, this is more or less a definition of it, but basically it will mean if any harm is enforced upon a victim directly or indirectly using modern telecommunication networks, that means he is a cybercrime of a cybercriminal. And if you are a victim of it, which actually is a lot today, they use all kind of devices to have access to your personal information, confidential business information. They may use your computer as a tool. There are many ways to explain what is cybercrime. In the next slide, we see if cybercrime is a real threat. Of course, there is no doubt. I guess you all seen the other presentations of the other members, and I think it's clear that cybercrime is a real and a huge problem today. Next slide. Cybercrime is a worldwide problem. We all know that cybercrime criminals commit crimes where a computer or a network is the source. Actually, they are using artificial intelligence and advanced technology, which they are almost or always a step ahead of the police force. They use this technology to obtain illegal access, illegal interception, data interference, unauthorized damaging, deletion, alteration, suppression of computer data system interference, misuse of device, forgery, stalking, electronic fraud, virus writing and spoofing. Everyone knows what spoofing is. It's to pretend actually that you are at another different IP address. The growth of international data communications and in particular the internet has made these crimes both more common as more difficult to police enforcement. Using encryption techniques, there are fewer opportunities to monitor and to intercept. So if you see cybercrime, it is and it has been always evolving rapidly. Every day criminals are becoming more intellectual, and they are not easily traceable. That is for us policemen a very complicated thing to investigate. So if we go to the next slide, first of all, we see, okay, it increases every day and it seems to be unstoppable, which it actually is. It is unstoppable. So what's important for us is what to look for and how to investigate. Normally, it's the specialists of the computer crime unit who does this kind of work. But as an analyst, I was asked to work with all the sources of evidence they supplied. So it's important because criminals use computers and they can be a source of evidence, and that's very important for our job to investigate. And if this evidence can be obtained and can be decrypted, which is very important, of course, it can be of a great value to criminal investigators. So in the next slide, we will see. The next slide, please. Yes. The main question here is there a difference between with traditional crime? Actually, there is, and actually, there isn't.
as we will see on the next slide, in the good old days, yes, you can click a few times now, two, three times, I guess. In the good old days, we had traditional techniques. And in the new days, we have cybercrime. So now we used to talk of the Cold War, now we have the Cold War. As you can see in the traditional techniques, we had burglaries, deceptive calls, extortion, fraud, identity. If we compare this to cybercrime, you will see that instead of burglary into a house, they now hack into your computer, which is actually the same, but it's digital. Nowadays, you have phishing, people calling you in with your voice over IP and sending you a phishing mail. You have extortion, now you have internet extortion. You had internet fraud instead of simple fraud. So they can make fraudulent transactions or fraudulent to financial institution or other parties. And you have identity theft. So you see, it's not as big a difference as many people may think so. It's the traditional way and you have now the modern way. And the modern way is cybercrime. So if we go a little bit further, then you will see we have different categories. So the next two slides, please. Yes. And the other one? Okay. So we have different categories and they apply to different domains. So in the first example, you have the property. Example, your money. Your money is property. You have the individual, and as an example, I give you, it's personal harm. So it's like they take porn pictures, distributing pornography, or human trafficking, or stalking. That's individual. And of course, you have the government, and that's national everything, including national security. Government houses who get hacked, institutions get hacked. So those are the categories that cybercrime applies to. Actually, you have two categories. If you go one slide ahead. Yes. So you have crimes that target network or devices, like viruses, malware, corrupting a computer. And you have crimes using devices to participate in criminal activities, like phishing, stalking, identity theft, etc. So if we go to the, and I will go fastly over it, if we go to the first category, we have viruses, malware, and DDoS attacks, but I won't go too far in it because it's too technical, and it's more or less for people of the crime, computer crime unit. But in the next slide, we have the crimes using devices to participate in criminal activities. And there it's getting interesting because you can see we have phishing there. And phishing, as we have seen in the earlier presentation, is a large part of the cybercrime today. And phishing is actually about obtaining information for malicious reasons. You also have cyber stalking, which is more or less like online harassment. We had just an example a few last week, actually, from well-known Belgian citizens who were hacked, and they took some pictures of themselves, compromising pictures. So they use, that's what we call cyber stalking. And then, of course, you have identity theft, and that's actually the criminal who tries to get access to your personal information. Sometimes it's combined with the two. You also have different types. And in different types, if you go one slide ahead and you just may click a little bit further, you have social engineering. And with social engineering, you will see there are different types, like phishing. Can you click, please? Yes, like phishing, phishing mails, spear phishing, smishing, you got baiting, you got all kind of types.
Now, the most important thing, just one moment, please. Sorry, it's a little bit difficult at this end. So the most important thing here is to know that attackers use psychological manipulation, so their targets make mistakes by revealing information. That is actually the main interest of the hackers. It is the most popular tactic among them. There is no particular way to carry out an attack. The hacker may try different techniques depending on the victim's nature. So that is very important that you know that they try to use the psychological manipulation. So we have to ask our question, and I think you can look to the people in front of you, beside you, or in the back, who hasn't been approached yet. I'm certainly, if all of you raise your hand, I guess it's 99% of the room over there. So the other question we should ask is, how does it work? Are you a victim? And if you were, did you lose money or gave away personal information? Did you report them? Because those questions are very important. So if we go to those are all common questions. But we all know it's very common, and we all been a victim of cybercrime. Me too, for instance. Now, in these days, we have COVID-19. And the main question is, did it affect us? Had it any influence? And the question here already is the answer, because it did. If you go to the next slide, then we know that there are travel restrictions. And travel restrictions, that means that people get stress and anxiety. Another measure was the confinement, which really affects our mental resilience. So, yes, it affects us. And yes, it has an influence on us. So if we go one slide further, I think if we all look at ourselves, and I look at myself, then it changes our way of life, our routines, our social behavior, our business behavior. In Belgium, we have bubbles of two or three people. So therefore, it increased our online activities, our e-businesses, our demand for medical products, our remote transactions. So we all are more occupied with the internet. People get bored and get behind the computer and try to buy online stuff. And I don't mean any foul thing with it, but mostly women do. So they are at home and they try to buy online stuff because the shops are closed. So they buy it. And we see in Belgium, we see that a lot of victims of phishing, about 75%, are actually women. And this is one of the reasons, because the online activities are increasing. The remote transactions are increasing. So if we go one step further, then what does actually the increased online activities and e-payment, what does it do? So the next slide will show us that it leads to increased flow of illicit money, increased number of crimes, frauds, internet fraud, phishing, scams. Actually, also, if you click a little bit further, you will see that there are many fraud schemes linked to COVID-19. One of the most important, as we've seen until now, is telecommunication fraud, phishing mails, also advanced payment fraud, non-delivery, counterfeit. We also have business email compromise fraud, fraudulent websites, investment fraud. There are many fraud schemes that are linked to COVID-19. So if we see how does it work, then actually I will try to explain the difference between phishing and phishing. So here the target, the victim, gets called by a voice over IP number. Which is actually the hacker who's calling in. Now, voice over IP is a very cheap way of calling, and it's difficult to trace, especially because
you can buy a certain lot of numbers, and after treatment, you have to or buy another lot or extend the lot. So if we click further, then we have the phishing mails. Can you go ahead, please? Yes, okay. Then sometimes after the victim is called, then after that he receives an email, a phishing mail. Sometimes there is also at the other line, at the end of the line, you will hear how do you say, an audio recording of your own voice online demanding something. So you hear your own voice on the other side, which is very confusing for the victim. And it's well organized. And that's what we call spear phishing. Then we got smishing. It means you get texted. For instance, your credit card is out of date. You should get a new one. Some people react on it, some doesn't. But the main issue here is that after the victim gives away his personal data, his keys, the money get transferred from the account of the client to the account of the Mew. So if you click yes, well, that's what we want to see. To the next slide, you see the same build-up. It's something I got on the internet, but you see the same build-up. What's important here that sometime the fraudsters obtain information, legitimate or not legitimate, on the dark web. Your information is on the dark web. So he calls him and he tries to convince him that there is an urgent need of transfer, or not an urgent, but there is a need for transfer. So that way we have the information on the dark web, we have the voice over IP number, or we have the calls, we have the transfers. So that way we can investigate quite a lot. So if you go to the next slide, there we get the answer, what did we investigate or what can we investigate? It's very important that we have all those items, because that way it gets us to the organized crime group or to the target. So we have phone numbers, we have email addresses, we have websites, we have IP addresses, account numbers of the victim, account number of the receiver, which is not always a mule, but because it can be the victim itself. The mule account, who is willingly or not willing, because there are a lot of indicators that decide whether is a mule, yes or no. And then you have the identity of the mule, the cross matches between the identities and accounts, the international exchange of information by Europol. So you have actually a lot of ways to investigate. Therefore, I'm willing to show you a case study of phishing. I did this in cooperation with the leading banks in Belgium that are about 6 or 7. I will give you an overview of the problem, or we had an overview of the problem for the whole of Belgium. Actually, I did a visualization of the different modus operandi, and then we start analyzing and targeting. So this schema is actually, you can see nothing about it, but this is the phishing problem of Belgium in 1 year. The blue box, that's the part I want to discuss. So that's the targeting part, the case study, the phishing actually, and the crime of the modus operandi is the debt collection. So every single fact of cybercrime in Belgium over a period of 1 year. So that's important. And the blue box, that was actually one organized crime group. So on the next slide, what did we do? What did we investigate? We had about 167 account numbers of mules that were combined in several cases. So that was interesting to see. It gave us a good and a quick view without telling anything about the organized crime group behind it. But it gave us a view. It gave us a clear and a quick view, a good view. Okay, we have many, several account numbers of mules.
So 87 mules, we could link 87 mules linked to at least two different accounts. That was very important for us. So if you go a little bit further with the slideshow, please. Yes. So yeah, okay, one further is better. Analyzing data and visualization. You see on the background on your right, you see the scheme. I cannot, show the details because the case is still ongoing. And it's at this moment in an investigation still. So combination of the cross-matching IPs addresses, the accounts and the mules are good leads to investigate. That is very important. So we discovered that the phishers used multiple IP addresses, mostly Turkish. So you can go a little bit further in the presentation, please. Just click a few times. Yeah. So we had multiple IP addresses. What was interesting was that all the accounts were of Turkish mules, all the accounts were from other in other countries, but with Turkish mule account holders. In fact, we saw that there was actually one OCG, this one organized crime group that was involved. So that was for us very interesting to see. So what did we investigate and how did we get that far is on the next slide. So we took all the IP addresses, we took all the email addresses, we took all the accounts, we took all the voice over IP numbers, and we tried to get an organized view of it. Like I said, I can't reveal the entities, but we managed to get a clear view on the structure and the link between the different types of entities used by the organized crime group. So if you go a little bit further now and just click a few times. Yeah, okay, not so that's enough. Combining all these data led us to Turkey, which was very interesting. And more specific, we saw that it all was heading to Turkey, not only Turkey, but also the region Konya and the city of Konya. And we were able to narrow it down to just that one part of Turkey, which was very interesting for us. As you can see on the little scheme below, you see the different links between the Turkish and IP addresses and accounts, and also the other accounts. So if you want to know how it's organized, then you see there are many things you can tell about an organized crime group in phishing. This is one example. There can be others, and not all organizations are as complex as this, because it can be quite a lot simpler. But what we see here is a possible setup of a cybercrime OCG. And they use, in this case, they're using malware, and a part of it is very high-tech crime unit. So the cyber criminals, hackers, spammers, they are, so it's all on the left, more or less. So this is actually their own computer crime unit. The other part is occupied with the money flow, and that's the interesting part for us. The money flow managers transfers funds from the attacked financial accounts to the accounts provided by the money mules manager. The money mules manager instructs the money mules where to transfer the money, because they have the accounts. After they transfer the money, a share of the money will end up with, of course, the head of the organization, and also with the head of the money mule, but the rest is transferred to the leader of the organized crime group. So actually, this is a very, for me, a very, very good and a possible setup for an organized crime group within actually mule accounts and phishing. So for me, that was very interesting to see. Conclusions. Cybercrime is fastly growing in the world of tech. It can't be denied. Cybercrime are at an all-time high, costing companies and individuals billions
annually. We saw the figures that the colleagues gave before in France. So it's really a lot. It's a lot of money. And what's even more frightening is that there is no end in sight. Difficult for us is that the law enforcement attempts to tackle the growing issue, but it's a problem because they have the advantages of the anonymity of the internet. So it's very difficult for police law enforcement to go after them. So I know I went a little bit quick around all the options, but I want to thank you for I want to thank you for listening, and if there are any questions or answers, I will answer them. I mean, yes. So I thank you anyway for your attention, and I'm sorry it didn't came out as good as I wanted to be. So thank you. Nous te remercions pour cette présentation très claire et qui nous a permis de voir un peu plus clair sur certains phénomènes justement de la cybercriminalité et sur les enquêtes pour faire les investigations et remonter les filiales. Nous allons donc te laisser puisque nous avons très peu de temps, donc je ne peux pas ouvrir les questions te concernant, mais nous avons noté ton adresse mail et les personnes qui vont te contacter par la suite le feront, je pense, sans aucun problème. Merci. Voilà. Et je te remercie encore de t'être investi un petit peu, malgré les problèmes techniques, pour intervenir au sein de notre conférence. Merci beaucoup. À vous aussi, une bonne journée. Et voilà. Jusqu'à la prochaine fois. Ça sera avec un plaisir qu'on t'accueillera à Strasbourg dès que les frontières seront de nouveau ouvertes et que la Belgique pourra de nouveau venir en France. Merci. Merci. Ciao, ciao. Allez, ciao. Alors, nous allons maintenant passer à notre dernier intervenant qui est Serge Houtin, coordonnateur du comité technique sur la cybercriminalité du réseau Francopol, qui est déjà en ligne avec nous. Bonjour, monsieur Houtin. Je vais vous céder la parole. Merci, monsieur Jouan. Bonjour à toutes et à tous. J'aurais préféré être parmi vous. On vous a expliqué pourquoi on n'est pas là. C'est bien normal. Il y a un avantage et un désavantage à passer le dernier. Alors, l'avantage, c'est pour les gens qui sont présents, parce que ça va être plus court. Le désavantage pour moi, c'est que beaucoup de choses que je voulais dire ont déjà été dites. Donc, voilà. Je vais vous expliquer en deux mots. Donc, je suis commissaire et chef de service d'une unité d'investigation numérique en Belgique. Pour les Français, c'est l'équivalent de ce qu'on appelle les NTEC à la gendarmerie ou les ICC à la police nationale. Mais je suis ici en tant que représentant de Francopol. Alors, je vais vous partager ma présentation. Vous me dites si vous voyez correctement les choses. Est-ce que vous voyez ma présentation ? C'est parfait, nous la voyons très bien. Ah, quand même quelque chose qui fonctionne. On va accélérer évidemment, je vais vous faire le plan en vitesse. Je vais d'abord devoir aborder malheureusement quelques généralités, de quoi parle-t-on en matière de Francopol et de francophonie, donc un rapide état des lieux. Ensuite, origine, objectif, mission et valeur de l'association Francopol. Je vous parlerai évidemment un peu plus en détail des comités techniques, c'est quand même pour ça que vous êtes là, et puis du plan d'action du comité technique cybercriminalité de Francopol. Alors si on fait un état des lieux de la francophonie, qu'est-ce que ça représente? Ben, c'est quand même 300 millions de personnes dans le monde, 88 États et gouvernements dans l'Organisation internationale de la francophonie. La cinquième langue mondiale et la quatrième langue sur Internet. Alors ça, c'est évidemment un paramètre dont on doit tenir compte, parce que je dirais seulement la quatrième langue sur Internet. C'est évidemment quelque chose dont on doit tenir compte dans nos enquêtes, quand on fait de l'open source intelligence, donc des recherches en source ouverte, que ce soit dans les trois couches du web, le clear, le deep ou le dark, ça a son importance. Si on recherche qu'en français, évidemment, on va passer à côté d'énormément de choses.
Ensuite, là, vous me pardonnerez, j'ai vu ce matin une horreur. C'est pas Afrique du Nord qui représente 15%, mais c'est bien Amérique du Nord. On parle essentiellement du Québec. Donc, excusez-moi pour cette erreur, dans mon slide. On voit que l'Afrique, représente quand même la majorité des pays francophones avec 44%. Ensuite, on a l'Europe avec les 33%. L'origine de Francopole, ça vient d'une réunion qui s'était tenue notamment entre des Québécois puis des représentants français. Et c'est vrai que sur Internet, tout ce qui est forensique, tout ce qui est investigation numérique, tout ce qui est intéressant pour le point de vue matériel de formation, c'est essentiellement en anglais. Et on sait que les Québécois sont très attachés à la défense de la langue française. Donc c'est pour ça qu'il y a une réflexion qui date quand même déjà d'il y a 18 ans, en 2002, entre la France et le Québec, pour essayer de créer quelque chose. Et puis les discussions se sont poursuivies, ça prend toujours beaucoup de temps, pour finalement arriver quand même en 2008 à la première Assemblée générale de Francopole. Alors, Francopole, c'est un organisme de concertation, de coopération, qui a pour objectif de favoriser la mise en commun des meilleures pratiques. C'est important parce que Francopole est très très attaché aux liens avec les académies de police, les centres de formation, le monde académique en général. Donc c'est un échange, toujours un partage des connaissances, c'est toujours l'objectif qui est visé, l'objectif global, on va dire, de Francopole. Ce sont des recherches, des réflexions en matière de formation, et c'est un objectif un petit peu prétentieux peut-être, mais je pense que nous avons tous le même genre d'objectif, c'est de devenir un pôle d'excellence dans le partage et l'émergence de nouvelles tendances en matière de formation policière au sens général du terme, et non pas seulement en matière de cybercriminalité. Alors, dans les objectifs plus généraux, c'est créer un lieu d'échange, un lieu d'échange de collaboration entre les services de police et les écoles de police, les académies, comme je l'ai dit, en langue française. C'est aussi diffuser de l'information, si mon slide veut bien continuer, voilà, pardon. C'est diffuser de l'information relative aux événements, aux colloques, des rencontres. On peut, en tant que comité technique, par exemple, organiser des rencontres dans les pays francophones. On va en parler un petit peu plus tard. C'est partager le savoir des acteurs dans le domaine de la formation policière. C'est aussi contribuer au développement des organisations, donc des académies francophones, par exemple, sur l'accroissement et accroître l'échange d'informations et d'expertise. Et enfin, c'est encourager le développement, l'intégration d'innovations dans la formation par le partage et l'élaboration d'outils pédagogiques. À ce sujet-là, par exemple, je ne sais pas si vous utilisez au CEFAC ce genre d'outils. Il y a un outil libre, open source, qui est sur la plateforme Scénarii.org, qui est très très utilisé dans le monde universitaire. C'est normal, c'est une université française qui l'a créé. La faculté de médecine de Paris l'a adopté il y a un an ou deux déjà pour ses cours, donc c'est quelque chose qui est quand même solide. Et en même temps, c'est open source. Donc ça, c'est évidemment pour créer des modes d'emploi, pour créer des applications opérationnelles. Nous avons des applications opérationnelles qui tournent ici en Belgique, en tout cas dans mon arrondissement judiciaire, pour quelque chose qui a été dit tout à l'heure. C'est la prise en charge des victimes en première ligne. Donc je vous résume en deux mots. Quelqu'un qui vient déposer plainte. Nous avons des collègues qui sont souvent mal formés, ou voire pas formés du tout en matière de cybercriminalité. Eh bien, on leur met à disposition une application pour acter une plainte correctement avec les éléments essentiels d'information, les questions à poser en fonction de la nature du fait qui est rapporté. Et ça, c'est fait avec une application open source. Il ne faut pas toujours aller chercher des choses qui coûtent très cher. On peut faire, avec des outils gratuits, on peut faire énormément de choses. Alors bien sûr, c'est apolitique, c'est soutenir le droit au développement d'une police démocratique. Il est évident qu'il y a certains pays où c'est plus compliqué, professionnel, axé sur le service aux citoyens. C'est toujours évidemment l'individu, la personne qui est au centre des préoccupations, et les victimes ont le droit à être traitées de manière tout à fait équitable partout.
respecter bien sûr les diversités culturelles. Bon, la francophonie, c'est pas que la France, c'est pas que le Québec, c'est pas que la Belgique, c'est aussi beaucoup d'autres pays où il y a des cultures différentes et il faut savoir aussi s'adapter quand on va sur place dans ces pays-là. Alors, les raisons d'être, la liste et les comités techniques, ben, c'est toujours la même chose, comment ça fonctionne. C'est un réseau restreint d'experts internationaux. En ce qui nous concerne, nous sommes pour le comité cyber, on est une petite dizaine maximum, et on travaille toujours sur une thématique d'intérêt stratégique. Donc voilà, on échange méthode de travail, recherche, on essaye d'être créatif en fait. Hein. Ça paraît théorique comme ça, mais quand on se met autour de la table, il y a des idées qui fusent. Alors comment ça fonctionne? Ben, ça fonctionne, je crois, comme tout le comité. On se parle par conférence téléphonique, visioconférence. Il y a un site internet Francopole et aussi une partie du site qu'on appelle le CFIS, qui est le carrefour Francopole de l'information et du savoir, dans lequel on va retrouver de la documentation, dans lesquels on peut publier, etc. etc. Rédaction d'un corpus documentaire, d'un référentiel de connaissances, je crois que ça fonctionne à peu près partout de la même façon. Et le rôle des coordinateurs, bien, c'est animer, orienter et également, comme je le fais maintenant, assurer aussi un rôle de relations publiques. Au niveau des comités, il y en a 9. Je ne connais pas tous les autres en détail, je vais vous parler seulement de notre comité cybercriminalité. Nos objectifs, encore une fois, c'est une vision qui paraît ambitieuse, mais qui se concrétise par des petites choses. Et c'est quand on met toutes ces petites choses ensemble qu'on arrive à un résultat. Bon, bien sûr, nous sommes appuyés financièrement par l'Organisation internationale de la francophonie. L'appui financier, il est limité. Hein. Par contre, on ne fait pas tout ce qu'on veut. On n'est pas des poids lourds comme dans d'autres organisations. Nous avons comme priorité ce qu'on appelle l'axe sud, c'est-à-dire l'Afrique, essentiellement l'Afrique. Alors le général Baudouin en a parlé tout à l'heure avec le Sénégal. Il y a effectivement, je vais vous montrer par la suite une action qu'on a menée là-bas l'année passée, le NVR, l'École nationale de la vocation régionale, qui est quelque chose de très très bien, une initiative, oui, de la France. Qui peut tirer tous les pays de la région vers le haut en matière de lutte contre la cyber par des formations de haut niveau. L'approche proactive, la multiplication des connaissances, ça peut paraître comme ça un peu pompeux, mais c'est encore une fois en réfléchissant, en se mettant tous ensemble, qu'on arrive à dégager parfois des petites solutions avec le but encore plus ambitieux de réduire la cybersécurité. On ne se fait pas quand même trop d'illusions, c'est pas nous qui allons sauver le monde, mais en tout cas, on essaye de faire, d'apporter notre savoir. Dans le comité, il y a le Canada, le Québec, bien sûr, qui est toujours le moteur dans Francopole. Il y a la Belgique, il y a la France, il y a la Côte d'Ivoire, la Suisse, le Sénégal et le Togo. Alors, très objectivement, les plus actifs sont le Québec, la France, la Belgique et la Suisse. Après les autres, il faut un petit peu parfois assister. Ce que nous avons fait en pratique jusqu'à présent, c'est une présentation bien sûr au 5e congrès à Dakar en 2018. Il y a un glossaire anglais-français avec plus de 2000 entrées dans ce glossaire qui a été mis à disposition de tous les pays qui le souhaitent. Nous avons organisé la plateforme d'échange justement à l'UNVR en novembre 2019. Il y a un Moodle qui est en train de se mettre en place avec l'École nationale de police du Québec, Moodle dans lequel on pourra avoir une plateforme d'échange tout à fait correcte, un forum, on pourra y mettre des guides, des modes d'emploi, des formations, on pourra discuter, on pourra échanger au moins dans un point central. Il y a un tournage qui se fait actuellement au Québec pour les 50 ans de l'OIF où ma collègue québécoise parle des activités du comité. Et alors surtout, nous mettons en place des synergies avec l'AFSA. L'AFSA, c'est, vous voyez le logo, Association francophone des spécialistes de l'investigation numérique.
Ectech aussi, c'est très très important. Ectech est financé aussi par la Commission européenne, c'est le European Cybercrime Training and Education Group. Il y a des modules de formation en matière cyber extrêmement pointus. Il y a un module notamment qui s'appelle eFIRST, dans lequel nous avons travaillé en Belgique pour apporter des éléments. Ça a été traduit déjà dans 14 langues et c'est disponible pour tous les services de police européens et même au-delà, puisque l'Afrique aussi, nous touchons l'Afrique et l'Amérique du Nord. Pourquoi pas une synergie avec le CEFAC? Pourquoi pas? C'est multidisciplinaire, donc on a besoin de toutes les compétences. Alors voilà ce que nous avons fait. Voilà l'ENVR qui est provisoirement installé à l'école d'administration, l'école nationale d'administration de Dakar. Quand je dis provisoire, je vous dis très franchement que j'aimerais avoir le même provisoire chez nous en Belgique parce que les moyens ont été mis. Ils ont absolument tout ce qu'il faut pour réussir à lutter beaucoup mieux contre la cybercriminalité. Ils sont invités, bien sûr, des policiers, des gendarmes, des douaniers, des magistrats, d'autres administrations. On peut faire des serious games avec simuler une cyberattaque sur un hôpital, par exemple, avec ou dire que le réseau radio des pompiers a été hacké. Et on met les gens autour de la table, on dit voilà, qu'est-ce que vous faites? Donc on les met dans l'échec et puis c'est à eux de trouver des solutions. Et après, bien sûr, il y a toute la partie formation qui vient derrière. Alors, dans cet atelier 2019, vous voyez les pays qui étaient représentés. On se rend compte, quand on va sur place, que ils ont des compétences, ils ont beaucoup de choses qui sont déjà en place. Le problème, c'est qu'il faut vraiment mettre les gens autour de la table. Sinon, ils ont tendance à ne pas discuter entre acteurs publics et acteurs privés. En matière télécom, par exemple, c'est très important de définir des procédures avec les opérateurs télécom. Et on voit que là, il y a encore beaucoup, beaucoup de travail à faire. Il faut savoir qu'en Afrique, il y a beaucoup de paiements qui se font par mobile, hein. Il y a grosso modo 400 millions d'utilisateurs pour l'Afrique en général, et certains avec 5, 10, on a vu ça au Sénégal, ils ont 6, 7, 8, 9, 10 cartes SIM. Il faut les localiser, il faut les identifier, ce n'est pas toujours évident. Quand on regarde la pénétration d'Internet en Afrique, c'est extrêmement étonnant. Je prends le cas de la Côte d'Ivoire, qui est quand même le fournisseur principal en matière de cyberarnaque. Il y avait 200 000 abonnés Internet en 2012, il y en a 12 millions aujourd'hui. Vous voyez quand même la progression, elle est fulgurante. Si on parle de portable, de téléphone portable, il y a 131% de portables en Côte d'Ivoire par rapport à la population, donc ça veut dire plusieurs portables par famille. Il y en a grosso modo 34 millions en circulation. Alors, lors de cet atelier, bien, vous voyez les sujets qui ont été évoqués. La France a présenté, bien sûr, Pharos. Le Sénégal est en train de mettre en place aussi une plateforme de signalement. Après, les autres pays ont présenté aussi différentes problématiques. Je pense qu'on va accélérer un tout petit peu ici. Pour terminer la partie vraiment très généraliste de Francopole, nous ne sommes pas des poids lourds par rapport à des organismes tels que le Conseil de l'Europe et le programme, enfin CEPROC et le Collège européen de police, CEPOL, qui disposent de moyens évidemment beaucoup plus lourds que Francopole. Néanmoins, on sommes avec le petit financement entre guillemets de l'OIF, on essaie de faire ce qu'on peut, pardon. Nous sommes des bénévoles motivés, ça veut dire que oui, nous avons tous notre métier et ce qu'on fait en plus, c'est pas pendant nos heures, c'est en congé ou en plus. Donc voilà. On ne peut pas comparer Francopole, bien sûr, avec les deux poids lourds que je cite ici au-dessus. Alors, hormis la volonté, oui, surtout la volonté, il y a quand même une petite flamme qui fait qu'on est toujours, on espère toujours améliorer les choses. Voilà, ça va terminer cette présentation que j'ai voulu expressément rapide vu l'heure et le retard qui a été pris. Ce que je voudrais encore vous dire, c'est que
Et si on veut améliorer les choses, je pense qu'il faut réfléchir, non pas dans notre petit coin, chacun de son côté, mais qu'il faut arriver à des équipes communes d'enquête au niveau international. On a Eurojust, on a Europol, on a EC3. Il faut des outils communs pour les équipes communes, sécurisées, pour lesquelles on peut travailler à distance, qu'on ne soit pas toujours obligé de se déplacer. Il n'y a que comme ça qu'on va arriver à quelque chose, c'est travailler tous ensemble, la main dans la main, si on essaye de rester chacun dans son coin. On n'arrivera à rien, et pour en revenir pour une dernière fois à Francopole, je voudrais dire que l'Afrique, oui, ça monte en puissance au niveau Internet. Il n'y a pas que les cyberarnaques, hein, les mails signalant qu'on a gagné 5 millions au loto à une loterie à laquelle on n'a pas joué. Ça, ça existe toujours, mais c'était avant. Avec l'explosion des paiements par mobile et puis le terrorisme, je prends le cas du Mali par exemple, ah, il y a d'autres choses qui se passent sur Internet et qui méritent toute notre attention. Voilà, je n'aurais pu parler beaucoup d'autres choses, mais non, je crois qu'on n'aura pas le temps. Enfin, non, je suis prêt à répondre à vos questions, pour autant que vous en ayez. En tout cas, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Monsieur Houtin, je vous remercie très sincèrement de votre intervention. Nous vous remercions de nous avoir fait découvrir cet organisme qui est très peu connu par beaucoup de personnes. Et nous avons, effectivement, c'est très bien. Ouais, et nous avons maintenant un peu plus de visibilité sur vous. Nous sommes d'accord, hein, pour au niveau du CEFAC, pour faire un partenariat et réfléchir à une solution. Je pense qu'on vous recontactera justement à cet effet, hein, puisque justement ce que vous proposez rentre tout à fait dans nos objectifs et nous sommes tout à fait ouverts à ce genre de travaux communs. Donc je vais voir si dans l'assistance il y a des questions vous concernant. Donc y a-t-il des personnes ayant des questions pour monsieur? Donc, ben, dites votre question, je la retransmettrai. Vous me dites déjà bonjour et merci pour votre présentation. Est-ce qu'il y a une possibilité de faire des donations par rapport à Francopole et si oui, où ça se passe? Donc, un étudiant de BTS SEO de Strasbourg, spécialisé en cybersécurité, vous demande si... enfin, il vous donne son bonjour d'abord et vous remercie de la présentation. Et vous demande s'il est possible de faire des dons à Francopole et comment cela se déroule. Je remercie beaucoup, mais voilà une question à laquelle je ne m'attendais pas. J'avoue que... Mais je peux donner mon numéro de compte éventuellement. Non, je vais poser la question. Je vais poser la question, mais je ne pense pas que ce soit faisable. C'est très gentil. Mais je ne crois pas que ce soit faisable. Néanmoins, si j'ai une réponse positive, je vous le ferai savoir. Hein. Oui, vous me la transmettrez et moi, je pourrais la transmettre à cet étudiant puisque c'est un de mes étudiants. D'accord. Oui, l'AFSIN. Je pense qu'il faut voir directement avec eux. Là, on peut pas vous répondre, mais je pense que oui, hein, effectivement. S'il y a une question sur l'absin, je peux y répondre. Je fais partie de l'absin aussi. Donc, eux acceptent-ils des dons? Ah non, non, non. Non, non. Non. Non, non. Non, non. C'est là, on a réponse. Y a-t-il d'autres questions un peu plus sur Francopole, ses actions Non. Aucune question. Donc, mais monsieur Houtin, on vous remercie encore une fois de votre présentation et nous espérons vous inviter prochainement à Strasbourg, peut-être lors de la prochaine session de formation si les Belges sont de nouveau autorisés à venir à Strasbourg, parce que malheureusement, nous avons autour de nous une belle équipe belge qui n'est pas présente par nous et ça nous manque énormément, surtout à cause de la chimie bleue. Donc, nous souhaitons vivement vous voir avec vos collègues belges prochainement.
Mais c'est ça, avec plaisir. Je connais Strasbourg, ça me fera plaisir d'y retourner aussi. Oui. Voilà, Merci. ben, vous serez le bienvenu et on s'organisera quelque chose à ce moment-là. Merci beaucoup. Ben, je vous remercie. Donc, avant de nous quitter, je vais revenir sur une des questions qui avait été posée pendant le petit bug technique. Donc, une personne de l'Assemblée avait posé la question, y a-t-il eu en France des attaques sur des centrales électriques au niveau cyberattaque? Donc, c'était la personne de l'ANSSI qui avait commencé à répondre. Non, je ferai une réponse très générique parce que, d'abord, l'ANSSI ne désigne jamais les victimes. Donc, ça, c'est pas dans les règles de l'ANSSI. Simplement, pour des sites sensibles, il y a une vingtaine d'attaques à peu près par an. Hein, c'est un ordre de grandeur dans notre périmètre d'intervention, ce qui est assez considérable. Ça mobilise pas mal de ressources chez nous. Donc ça, c'est la question, une réponse globale qu'on trouve dans le rapport de l'ANSSI, d'ailleurs, c'est du domaine public. Hein, donc vous trouvez ce genre d'informations. En revanche, bien sûr, nous n'avons pas de visibilité sur tout le système d'infrastructures nationales, hein, en dehors des opérateurs d'importance vitale. Et là, il faut plutôt se retourner vers les forces de sécurité, police et gendarmerie, qui reçoivent les dépôts de plaintes, etc. Donc là, je ne peux pas aller plus précisément dans la réponse. Y aurait-il d'autres questions dans l'Assemblée? Donc... Oui. Précisez votre question. Dans le sens où mondialement et aux États-Unis notamment, il y a eu une idée de justement mettre une backdoor dans les technologies de chiffrement pour avoir justement accès à certaines informations. Oui, d'accord. Bon, alors, en fait, c'est plus une question d'ici. Enfin, il y a une position étatique française qui est de dire pas de backdoor. Okay. Donc ça, c'est relativement clair. Hein, on n'est pas du tout dans une idée qui est peut-être un peu plus anglo-saxonne, si je me permets, de cette vision-là. En tout cas, ça a été rappelé régulièrement par le directeur de l'ANSSI, Guillaume Poupard. Non, on n'est pas du tout dans cette optique-là, parce que la question qui est derrière, c'est comment on fait pour mettre au clair, pour les besoins de la justice, donc, c'est-à-dire sous une réquisition... d'un magistrat, des conversations qui sont cryptées. Donc on a un flux crypté, comment on peut faire? Bon. Donc on a toujours essayé de trouver des solutions palliatives, mais on n'a jamais été dans l'idée de, dans les produits délivrés par un certain nombre de sociétés, de mettre des backdoors. Ça, ce n'est pas du tout une idée qui est pertinente, en tout cas pour nous, parce que ça créerait autant de problèmes que ça en résolverait... juste un petit point, on parlait ce matin rapidement de la 5G, par exemple, sur les questions de la 5G, tout va être crypté. Hein. Donc là, on est dans une difficulté aussi, parce que normalement, enfin en tout cas pour la France et pour la plupart des pays européens, c'est comme ça, il y a normalement la possibilité, par une demande d'un magistrat, d'accéder à des conversations en clair. Et justement, ces questions-là, c'est comment on fait. Et ça, c'est encore autre chose. On devra probablement passer par les opérateurs eux-mêmes. Par l'attaque de l'homme du milieu, quoi. Alors ça, l'attaque de l'homme du milieu sera toujours possible, si vous voulez. Mais la question, c'est quand on fait une réquisition judiciaire à un opérateur, aujourd'hui, il doit nous fournir les données en clair, les conversations en clair, si vous voulez. Bon, ce qui n'est pas le cas de Skype, d'ailleurs. Avec Skype implanté au Luxembourg... Bon, petit souci quand même, parce que eux, ils disent, nous, on ne fait pas de la communication classiquement, et donc on ne dépend pas de la loi française ou même européenne d'ailleurs, et donc on ne répond pas. Mais ce n'est pas tout à fait la position. Bon, le problème, c'est que ça prend du temps au niveau juridique à être réglé. Quoi. Et du coup, j'en ai juste rajouté, mais du coup, par rapport à cette position de récupération des clés quand il y a une enquête, par exemple, chez un FAI ou n'importe où, je sais qu'il y a certains pays en Europe qui, justement, n'ont pas ces règles.
Ben déjà Luxembourg, c'est pour ça que justement je pense que Skype s'est basé au Luxembourg. Et aussi la Suisse, si je ne dis pas de bêtises, et deux pays. La question c'est est-ce qu'il y a un intérêt, je comprends qu'il y a un intérêt judiciaire, parce qu'on peut toujours arrêter des gens, etc. Toujours très utile. Mais au niveau personnel, est-ce qu'on ne peut pas se dire que finalement il y aura toujours un accès par quelqu'un, même si c'est chiffré, du coup par. Ouais, le chiffrement dans l'absolu n'existe pas. Enfin, après, on tombe dans le chiffrement quantique, c'est autre chose encore. Si vous voulez, la question des clés, c'est en partie d'ailleurs, c'est ce que la plupart d'un certain nombre d'opérateurs font, notamment Apple, quand le FBI leur a demandé, et à un moment donné, ça a été sur la place publique, d'avoir les clés de déchiffrement. L'opérateur, lui, il préfère dire ben moi je peux pas vous donner la clé parce que c'est une partie du secret, enfin une partie du secret est chez l'utilisateur. Et moi j'ai rien finalement. Voilà. Donc ça, du coup, effectivement, là-dessus, on peut très bien ne pas avoir grand chose à faire. Bon, maintenant. On peut rappeler peut-être d'autres affaires dans lesquelles il y a eu des possibilités, il y a eu des avancées. Hein. Il faut toujours, enfin, c'est tout un dialogue de l'épée et du bouclier dans de nombreux domaines, et là c'est la même chose. Il y avait une société qui s'appelait Encrocha qui a distribué des téléphones pour un prix très onéreux, qui était extrêmement sécurisé, où tout était prévu. Si jamais vous faisiez. Attrapé, parce qu'évidemment, la cible, c'était des criminels, hein, c'était pas monsieur tout le monde, ou alors, on va dire peut-être des hommes d'affaires qui avaient des secrets importants à protéger, mais bon, les hommes d'affaires aussi, notamment en affaires financières, commettent pas mal de délits. Et donc, on appuie sur un bouton, crac, toutes les conversations disparaissent, etc., etc. Bon. Bah, il s'avère que, vous l'avez certainement entendu, la gendarmerie a pu mettre au clair... des millions de données hein, et aujourd'hui il y a puisqu'en fait ça a touché plusieurs pays d'Europe hein, beaucoup de pays, c'est une société internationale, on a initié énormément d'enquêtes à partir du moment où les données ont été mises en clair parce que ben voilà, ils n'ont pas vu, un système doit être vu dans sa globalité, donc voilà, il y a parfois des endroits où on peut intervenir. C'était pas une faille. Ah, c'était pas une faille. Non. Alors, y a-t-il d'autres questions ? Non, d'accord, on arrête donc, puisque il y a les interprètes et on doit rendre la salle. Donc, nous ne ferons pas de conclusion, mais la conférence sera disponible sur le site du CEFAC d'ici une quinzaine de jours. Et nous essaierons de publier assez rapidement un cahier qui reprendra les interventions et dans lequel on rajoutera une conclusion sur. Cette conférence. Je vous remercie encore une fois de plus à tous d'avoir participé à cette conférence et à la prochaine conférence du CEFAC qui, je l'espère, aura lieu au mois de juin.